Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cartomancie Gisèle. Je voulais faire cette petite vidéo pour mettre les choses au clair avec certaines personnes. Donc, on vient me demander sur ma chaîne, que ce soit des abonnés ou pas, de faire un tirage sur le cargo Evergreen, dont j'essaye de trouver des informations. J'avais vu passer que ça appartenait, que les Clinton faisaient passer des choses avec cette société. Donc maintenant, j'essaye de trouver la confirmation, mais je ne la trouve pas sur Internet. Je fais un tirage concernant le cargo Evergreen. Et on vient me dire que mes cartes disent tout le contraire de tous les autres. Alors, on va mettre les choses au clair. 1. Je ne fais qu'interpréter les cartes et je sers d'intermédiaire. Si mes cartes me disent qu'il n'y a pas ce que vous voulez qu'il y ait dedans, je ne vous ferai pas plaisir et vous dire qu'il y a ce que vous voulez entendre que je vous dise. Certainement pas. Donc, je ne vais pas, moi, changer ma façon d'être pour essayer de vendre de la merde. Ok, donc, puisque vous avez besoin d'avoir la confirmation si oui ou non il y a des enfants sur le cargo et dans les conteneurs, eh bien, je vais utiliser l'oracle des miroirs qui contient la carte des enfants ou de l'enfant et on verra si Evergreen dans les conteneurs sur le cargo qui est bloqué dans le canal de Suez, s'il y a des enfants. Alors il faudrait apprendre à faire le tri par rapport à toutes les informations que vous voyez passer et pas croire tout ce que on dit, tout ce qui s'écrit ou se dit. À un moment donné, il faut grandir et essayer de faire la part des choses. Donc, concernant Evergreen, je vais prendre l'oracle G, puisque dans l'oracle G, il y a aussi la carte de l'enfant. Ok, alors, concernant Evergreen, y a-t-il des enfants à bord de ce cargo enfermé dans les conteneurs? Hop là, alors il y a la carte de la tranquillité, la carte de l'évolution, la carte de la victoire. Je ne vois pas d'enfant. Concernant le cargo Evergreen, y a-t-il des enfants à bord? On nous parle de faire un choix. Y a-t-il des enfants à bord du cargo Evergreen enfermé dans les conteneurs? On nous parle de rêve. Il n'y a rien qui s'est retourné. On nous parle de travail. Alors, je vais faire une deuxième tournante parce que vendre de la merde, je ne ferai pas. Tout ça pour avoir de l'audience ou pour avoir des vues, je ne ferai pas. Alors, concernant l'Evergreen, y a-t-il des enfants enfermés dans les conteneurs à bord du cargo coincé dans le canal de Suez? Le débloquer, ils le feront. Ouais, on a commencé directement avec la carte de la tranquillité, hein, dans le présent. De la bonne évolution pour le débloquer, de la victoire, du choix à faire. Bon, concernant ici en réponse, il y a un choix. Voyons voir, y a-t-il des enfants à bord de comment il s'appelle encore? Overgreen ou Evergreen? Bon, il y a trop de cartes, on nous parle de retour, sexualité, amour, victoire, mauvaise langue. Réunion, temps, changement positif concernant la loi, plus tard pour le foyer, arrangement avec les communications et la femme. Donc, je ne vous cache rien du tout, hein. Alors, on va continuer.
Je fais encore un tour. Y a-t-il des enfants à bord de l'Evergreen ou Overgreen? En réponse, y a-t-il des enfants ici, puisque nous avons la carte du choix. Y a-t-il des enfants à bord? On parle d'y voir clair, d'analyser la situation, de ne pas porter des accusations s'il n'y a rien. Alors, choix, clairvoyance, mauvaise langue et le cadeau de la vie. Voilà. Et alors, dans le présent, tranquillité et il y a l'échec. En deux decks, nous avons la carte de la réussite, de l'amitié, de l'ouverture à l'amour, réunion qui dure dans le temps, changement en positif, loi, déplacement et protection. Ok, donc là, je n'ai pas vu d'enfant. Je tire les cartes devant vous. Ensuite, on va prendre l'oracle G. Nous allons voir. Et là, vous voyez bien, j'ai la carte de l'enfant, hein. Ici aussi, il y a la carte de l'enfant, hein. Qu'on ne vienne pas me dire que mon jeu a un problème et qu'il me manque une carte. Alors, je vous montre, puisqu'il faut tout expliquer. Nous avons la carte de la fécondité qui nous parle déjà d'enfant. Nous avons la carte de la fatalité. Si jamais il y avait des enfants à bord de ce cargo, il y aurait eu cette carte, il y aurait eu la carte des enfants et il y aurait eu, voilà, encore naissance. Donc on ne peut pas dire que je n'ai pas de carte concernant les enfants. Alors, je vous montre. Il y a la carte de la famille aussi et la carte de l'enfant. Donc, ce n'est pas tombé. Il y a, pour moi, il n'y a pas d'enfant à bord de l'Evergreen. Alors, nous allons utiliser l'oracle G. Y a-t-il des enfants à bord de l'Evergreen coincés dans les conteneurs? Alors, nous avons la carte de l'hôpital. Petite intervention, examens médicaux. On nous parle de transformation. Bonne évolution et transformation. Ensuite, et si vous voyez, hein, au début, il y a la carte de la tranquillité. Ensuite, il y a la carte de l'échec. Et au cas où vous diriez qu'il y a des trucs dégueulasses à bord de ce, hein, et qu'on a besoin, il y a la carte de l'échec juste avant. Donc, non. Voilà. Je ne vais pas me mettre à inventer des couilles, tout ça pour avoir de l'audience. Je suis désolée, je ne peux pas faire ça. Quand il y a des problèmes, il y a des problèmes. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il faut accepter. Alors, concernant l'Evergreen, y a-t-il des enfants à bord? Je vais voir. Maintenant, je vais finir la rangée. Y a-t-il des enfants à bord de l'Evergreen? Le cargo coincé au niveau du canal de Suez qui bloque tout. Alors, les cartes qui se sont retournées, nous avons la carte du commerce. Le bateau est rempli de marchandises. Nous avons la carte du retard. Donc, ça va prendre du temps. Nous avons la carte de l'argent. Et nous avons la carte de l'automne. Ok. Toujours pas d'enfants à bord, hein? J'ai un seul caractère, mais non, ça m'énerve de voir, de lire des commentaires à la con. Si les autres veulent vendre, eh ben qu'ils vendent, je m'en fous moi de ce que font les autres, mais qu'on vienne pas me critiquer. Si moi je suis à contre-courant, ben les gars, vous avez le choix, hein.
Vous en avez 150 000 qui vous vendent de la merde, eh ben allez-y, hein. Alors, y a-t-il des enfants à bord de l'Evergreen? J'ai toujours pas vu de carte d'enfant, hein. On a la carte de l'abondance. Ah ben, c'est pas là que je devais la mettre, c'était... Oui, non, celle-là. Ok, encore une fois. On va faire un deuxième tour. On a la carte de la solitude. La carte de la grossesse, du nouveau projet. Nous avons les papiers administratifs. Ils sont en train de bloquer tout, donc oui, il y a la file qui attend pour passer, hein. C'est en train de foutre la merde dans le commerce des autres. Et on nous parle d'économie dans le retard économique. Voilà, je n'ai pas de carte d'enfant qui est tombée. Et là, nous avons la fête, la mort, fin de la fête, le choix, les vacances, la foule, la rencontre. Voilà, ok. C'est la deuxième fois que je fais le tirage. Si maintenant vous préférez entendre des histoires, eh ben voilà, vous êtes libre, hein? Mais venez pas me critiquer sur ma chaîne. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt peut-être avec un autre sujet.